Nous avons donc mis à jour nos builds pour le combat, mais je voulais aussi mettre à jour une autre vidéo que j'ai faite sur les rampants des neiges et tout ce qui touche en fait le transport. Donc les rampants des neiges à la base étaient trouvés au comté de Drumback, à peu près par là je crois. Et ce qui se passait c'est qu'on pouvait leur mettre en fait de l'équipement et des accessoires. Et les accessoires étaient vraiment ce qui les faisait briller pour transporter des choses. Mais ça a été changé, donc ce n'est plus possible de faire ça. Donc on a évolué. Donc maintenant nous avons la garde. Donc avec le système de l'extrême en fait, la nouvelle difficulté qui vient de sortir, il y a un peu une mécanique assez sympathique qui arrive, même je crois dans d'autres difficultés, mais extrême c'est assez flagrant, c'est que quand vous combattez de la garde et que vous faites des prisonniers et après vous les intégrez en fait à votre équipe, donc par exemple là on a un sauvage, là on a un adorateur, donc ils sont niveau 14, donc plus que 12, et j'en ai après des encore plus hauts, on a des 17. Et une fois que vous faites ça, en fait la garde va aussi monter de niveau. Alors, je sais pas si c'est vraiment lié au fait que ma partie, en fait, soit en zonée. Je sais pas si on peut le faire, en fait, en adapté. Est-ce que la garde fait exactement pareil? Mais en tout cas, moi, je peux théoriquement la faire monter de niveau autant que je veux. Ce qui peut être dangereux, hein, parce que mes gens ne vont pas plus haut que 12. Hein, donc, ça, c'est un peu dangereux. Mais voilà, en gros, maintenant, la garde que je combats est niveau 20. J'arrive à les combattre sans trop de problèmes. Et j'ai fait 4 prisonniers. Donc, vous voyez qu'ils font tous partie de la garde. Donc, peu importe la garde de Drumback, la garde de Greenmere, peu importe où vous la récupérez. Mais vous voulez, en fait, des tanks. Donc, des tanks avec bouclier et masse, ou alors des tanks avec bouclier et épée. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vu qu'ils sont plus haut niveau que vous, ils vont avoir une énorme constitution. Donc vous pouvez voir par exemple la valeur de base là, elle est à 477, qui est énormissime, hein, 477. Et ce que vous voulez faire en fait, c'est bien sûr en faire des prisonniers. Et vous pouvez leur donner ça, donc figurine de poney. Vous pouvez leur donner aussi plein de petites choses, genre comme ça. Ça permet de faire, de récupérer plus de miel avec les ruches. Ça permet de récupérer plus d'alcool avec le tonneau de brassage et tout ça. Moi, personnellement, je préfère tous leur mettre, en fait, figurine de poney. Donc, j'en ai 4. Et les 4, ils sont en train de travailler. Et ce que j'ai fait, en gros, c'est que je les ai même, en fait, accueillis dans mon équipe. Au bout d'un moment, ils étaient assez contents, en fait, pour me demander de les rejoindre. De nous rejoindre. Donc je les ai fait rejoindre mon équipe. Et ce que j'ai fait en fait, vu qu'ils étaient niveau 20, donc on avait plein de points à mettre, j'ai mis tout en constitution. Donc je leur ai augmenté la constitution. Bien sûr ça m'a coûté pas mal d'influence, hein, donc pensez vraiment à avoir un gros paquet d'influence de côté. Et ils ont eu une constitution énormissime. Et après j'ai été un peu méchant, je leur ai remis des chaînes. Donc du coup ils ont trahi. Honnêtement, ça fait pas grand-chose. De toute façon, s'ils sont bien en fait dans la troupe, ils vont vous redemander de rejoindre et vous théoriquement vous pouvez les reprendre si vous voulez. Mais honnêtement, moi j'en ai pas besoin. Donc du coup, ils restent prisonniers pour ça, pour la figurine de poney. Et avec cette constitution qui est énormissime, donc on est à 477, ils ont tous aussi marmiton maître, hein, évidemment, hein, parce que c'est ça qui est important. Donc ils ont tous marmiton maître, ils consomment 1 de nourriture du coup, parce qu'ils sont à moins 2 avec le marmiton maître. Ils ont donc plus 14 de marmiton maître et plus 74 après avec de la nourriture en fait que j'ai pris. Et évidemment, c'est des pourcentages, donc c'est énorme, c'est plus 74. Pourquoi? Parce qu'ils ont une valeur de base extrêmement élevée. Et du coup, ça vous donne ça. Voilà, tout simplement, ça vous donne ça, un transport à 380. Donc j'ai 4 fois 380 de transport. Voilà. C'est bien quand même, hein. C'est vraiment bien. Hein. Donc ça c'est pour vous montrer par exemple les poneys que j'ai. Ce sont des poneys niveau 14 que j'ai volés à des marchands. Et ils sont à 181. Donc voilà, on est quand même vraiment... on est vraiment au-dessus des 180 des poneys normaux. Alors après, bien sûr, les poneys ont toujours leurs habilités un peu spéciales et uniques, hein, évidemment. Mais voilà, si vraiment vous voulez beaucoup de transport... En plus, ça coûte vraiment pas beaucoup de nourriture, parce qu'encore une fois, avec marmiton maître, ça vous donne moins 2, et il consomme 3, donc c'est 1 par personne, et vous avez énormément de transport. Donc après, vous pouvez même, théoriquement, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que par exemple, moi j'en ai que 4, parce que les 4, en fait, travaillent. En gros, vous pouvez avoir 4 habilités pour les faire travailler. Donc il y a ça pour la ruche, il y a ça pour le tonneau, il y a ça pour le séchoir à viande, et il y a ça pour l'étendoir, il n'y en a pas plus que ça. Donc les 4 travaillent. Et à la limite, si vous avez un pilori, eh ben, techniquement, vous pouvez en mettre 4 ici aussi. Voilà. Et ça vous ferait, encore une fois,
Donc 4 de plus pour la consommation de nourriture, qui n'est pas trop trop énorme. Vous voyez que je consomme à peine 110 en fait, avec une équipe de 30 personnes. Et après, vous avez 4 de plus, mais vous avez 3 fois encore 380 de transport en plus. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Peut-être que j'en prendrai plus à la limite. Mais voilà, vous êtes vraiment pas limité du tout en fait par rapport au transport. Donc ça, c'est une très très bonne chose à avoir. Et bien sûr, vous leur mettez figurine de poney. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vu qu'ils peuvent mettre de l'équipement, vous pouvez leur mettre ces équipements-là qui ont transport en fait dessus. Donc vous avez les intermédiaires hors la loi et vous avez les intermédiaires, les trackers, la guilde des trackers, ils ont transport 18 sur chaque en fait. Donc vous pouvez augmenter ça aussi. Donc ça c'est vraiment 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 cool. Et le fait aussi d'avoir bien sûr des prisonniers, je sais plus qui, mais certains en fait ont tyrannique ou un truc comme ça, et ça leur augmente la volonté. Donc ça aussi c'est une bonne chose à avoir. Voilà, tyrannique, volonté augmentée de 2 tant qu'il y a des prisonniers dans le groupe. Donc en fait, le jeu vous pousse un peu à avoir des prisonniers dans votre groupe. Donc ouais, en tout cas faites ça si vous voulez plus de transport. Et encore une fois, surtout qu'ils sont marmitons, donc réduit de 5% la vitesse à laquelle la troupe se fatigue en fait, si vous avez un repas complet. Théoriquement, en fait, moi, ils ont tous marmiton au maximum. Hein. Donc, en gros, quand je dois dormir une nuit, car ma fatigue est vide, enfin, ma barre de fatigue est vide, ce que je fais, c'est que je change tout le monde en marmiton. Je prends plein de repas et tout ça, donc je buff à mort hein, mon équipe. Et du coup, ils consomment quasiment pas. Hein, c'est 110, ils passent à 91, je crois, un truc comme ça. Et du coup, bah, ça me permet de rester éveillé, en fait, très très longtemps, grâce au fait qu'on ait plein de marmiton. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez peut-être encore plus de gens. Je sais que des gens, même sur Steam, j'ai vu, avaient des gens de niveau 30 plus, en fait, en faisant ce système-là avec la garde. Pensez aussi que vous pouvez changer la difficulté du jeu, hein, si vous n'aimez pas jouer en extrême. Vous pouvez la changer juste pour attaquer la garde et voir un peu les niveaux, si ça change ou pas. Et après, vous revenez en mode normal ou difficile ou facile, comme vous voulez. Mais voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Pensez à regarder la description et la playlist, surtout si vous voulez un peu plus de War Tales. En tout cas, merci beaucoup, à la prochaine. Portez-vous bien, ciao ciao.